final. Donc c'est bon, là c'est bon, c'est relancé, c'est bon. Donc nouvelle partie, je vais juste vérifier si les paramètres n'ont pas changé. La musique, je crois que je vais la baisser aussi à 70. Je vais voir, je peux le permettre même sur 68. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on m'entende. C'est tout. Il faut juste qu'on puisse m'entendre. Donc c'est bon là. Sous-titres, c'est fait. Manette. Vibration de la manette avec. Pré-réglage principal, marché, blablabla. Et ça, c'est bon. Caméra, c'est bon. Accessibilité. QTE simplifié. Vitesse des QTE. Les moyens. Ça veut dire quoi ça? Ben, ça s'appelle un QTE, ça. C'est comme dans tous les jeux. Délai des choix. Délai moyen. Vitesse des interruptions. Délai, mais tout en délai moyen en fait. Par tellement des touches. À faire maintenir. Retenir votre souffle. Retenir votre souffle. Rien. Visée assistée, j'ai pas besoin d'une visée assistée, paramètres daltonien, je suis pas daltonien, ça va, vous voulez pas non plus, non, je... re du coup, oui, donc c'est bon, mais bon, j'ai corrigé le problème, c'est bon, donc The Quarry, alors c'est un jeu développé par Supermassive, qui globalement ont produit des réalisé des jeux qui étaient pas ouf niveau logique et cohérence, hein. Vous verrez quand on fera pour l'émission la semaine prochaine, cette semaine du coup, je crois qu'on est maintenant. Ouais, on va normalement commencer à s'occuper de tout ce qui est tournage, etc. Vous allez voir que le jeu il a été écrit par des mecs qui ont jamais fait un jeu, qui ont jamais vu un film d'horreur. Enfin bref, on y va, on fait le truc et puis voilà. Ouais, roule, c'est ça, oui, c'est ça. Ferme ta gueule et lance le jeu. Mais je crois que non, c'est pas, je crois pas qu'il est pas moche, mais genre c'est pour tu sais rendre hommage aux films comme Vendredi 13, Halloween, etc. Enfin du coup plus Vendredi 13. Un jour à faire, faudrait que j'aille un Vendredi 13 dans une colonie de vacances. Juste histoire de, tu vois, dire j'ai survécu à Vendredi 13. Bon. Ça a l'air pas mal. Alors, je sais pas si on m'entend bien. Ah. Compliqué à monétiser. Non, je rigole, je monétise jamais. Je fais des lives sur des jeux et tout. Jamais après, je monétise pas après quand je mets sur la chaîne. Tu vois pas l'intérêt, parce que là, je vis l'aventure du jeu. Genre, c'est pas moi qui l'ai fait le jeu. Donc, si je vous ai une critique, à la limite. Mais bon. Attends, c'est bien de mon jeu là. Il y a un mec qui s'est lâché sur la musique. Hein. Ouais, enfin, la sinistre. Mais pas mal la musique, elle est cool. Hein. Très sympa. Mais ah, ils font un lac, merde. Vous connaissez une colonie de vacances où il y a un lac? Ah, je suis chaud, j'y vais. J'y vais, je reviens, et puis j'ai survécu à Vendredi 13. Quand vous aurez des gosses plus tard, montrez-leur Vendredi 13 et dites-leur que c'était un documentaire sur un tueur en série. Moi, je fais ça pour 2012. Hein. Vous voyez, j'ai survécu à ça. Après, on a survécu à la guerre du PQ, ça va. Enfin, on est bien sorti, hein, en France. Bon, il y avait du PQ qui se vendait à prix d'or sur eBay, mais sinon, ça va. Ça m'a tué, ça. Le gel hydroalcoolique à 120 balles sur eBay. Ça m'a tué, hein, la guerre du PQ, la guerre du gel hydroalcoolique. On en a vécu des batailles. Il y a aussi eu la guerre des pâtes. C'est quand tous les magasins... Pourquoi t'as coupé le son? Je crois que tu le sais. Attendez, j'ai fait une connerie. Ok, j'ai dit que je voulais des sous-titres gros, mais pas à ce point-là. Comment on change? Et deux secondes, je corrige un truc. Moyen. Merci. Voilà. Bon. Non, je vois pas. Peut-être parce qu'on est... Parce qu'on est beau. Ah oui, non, mais après, ça fait un coup de gueule Vendredi 13. Paumé, Max, on est paumé. Mais non. Après, pour l'anecdote...
techniquement parlant, Until Dawn, ça reprend un peu les codes de Vendredi 13, mais Until Dawn ne peut pas être excusé pour ça, c'est-à-dire que c'est une erreur de leur part, dans le sens où ça se passe en 2014, tout le monde a un smartphone, et franchement, après la mort de deux copines dans une montagne, qui retourne un an après? Ils n'ont pas l'excuse, hein, alors que dans Vendredi 13, ils n'avaient pas de smartphone à l'époque. Donc pour appeler à l'aide s'ils se font attaquer et tout, c'était pas possible. Fallait trouver le téléphone fixe. Et si quelqu'un coupait la ligne, t'étais foutu. Mais quelque part dans le coin. C'est ça, donc. Paumé. C'est ton point de vue. Oui, bien sûr, à tes ordres. Je change ça. Mais ouais, non, on a vécu des guerres folles, hein. C'est clairement. On peut dire à nos gosses, tu sais, le Vietnam, c'était rien à côté. Dites ça à vos gosses, dites-leur, vous avez quitté pas le Vietnam, tout ça. What? Ah, c'est bon, on est parti sur du Fallout. Prenez le temps d'écouter ce qui suit. Car ces conseils vous seront utiles pour naviguer dans les méandres de votre séjour à Aked Squall. Ce que vous voyez est une épreuve de réflexe, un QTE, qui vous demandera d'agir juste au bon moment. Attention. Aked Squall peut être un éteint un feu en jetant du café. Si vous ne prenez pas garde à votre environnement, quittez la balle des yeux et vous. Non mais attendez, mais je veux bien, mais pas à ce point-là. Les mecs, ah, une branche sur ma route, j'ai oublié d'appuyer sur la touche. What? Courez à la catastrophe. C'est vous qui déciderez de la voie à suivre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez. Attendez, il y a. Désolé pour les pauses. Il y a des alligators géants dans ce camp. C'est qui va bosser là-bas? Adopstar. Et si vous voyez un panneau avec écrit attention. Danger, dites-le moi. Joli réflexe, dis donc. C'est pas moi qui suis passé sur le nid de poule. Ah, ils ont des c'est smartphones. D'accord, c'est passé déjà, ils ont des smartphones. Différence. Waouh, ça c'est de la mauvaise foi de niveau olympique. Merci. Ah, très impressionnant. Merci. Attendez, ils ont des smartphones. Bon, on est toujours perdus. S'ils peuvent pas appeler à l'aide, il y a intérêt à pas du tout avoir de réseau. Tu sais, Max, non, c'est attendez, pas grave, ça n'affecte en rien ta. Attendez, il y a un GPS sur le téléphone. S'il y a un GPS, c'est qu'il capte du réseau. Vérilité. Désolé. Si Christophe Colomb s'était pas perdu et n'avait pas fini sur ce rivage, les États-Unis n'existeraient pas. Bah si, les Vikings. Bye bye, hot dog, sayonara les burgers. Christophe Colomb a jamais accosté en Amérique du Nord. Eh oui. De quoi tu parles? Il a accosté dans les Caraïbes. Il savait même pas qu'il était pas en Asie. T'es sérieuse? Bah oui. C'était un de ces mecs qui refuse d'admettre qu'ils sont perdus. Eh ben, ah non, mais Christophe Colomb, quand il était perdu, c'est honneur. Il a dit je suis arrivé en Chine. Alors tu peux ravaler tes critiques. J'hallucine. Contente-toi de nous amener au camp avant que je sois à bout de souffle, à force de soupirer. Ok, je vais essayer. Je vais essayer. Je trouve que graphiquement, c'est pas mal. Pardon. Prendre la brochure, prendre la carte. Il y avait pas d'indication sur la brochure? Non, juste des gamins qui font semblant de s'amuser autour d'un faux feu de camp. Génial. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'elle a vu? Brochure, quoi. Hé, hey, regarde la route, s'il te plaît. Bah oui. Oh mon dieu, un golou sauvage apparaît. Ah désolé. Attendez, ça commence bien cette histoire. Attendez, j'ai augmenté le son du micro. Ah là là. Je suis désolé parce qu'en fait il y a la console au fond qui fait un peu de bruit. Donc j'avais diminué le micro. Mais il y a un golem sauvage qui est apparu, je rêve. Et il y avait une dame aussi. Merde. J'appuie. Putain, l'arrivée du Gollum, je l'ai pas vu venir par contre. Tu vas bien? Ouais. Enfin, un seul morceau. Putain de merde, tu crois que c'était quoi? Un Gollum? Quoi? Non, Max, c'était pas un ours. C'était quoi? Je crois que c'était quelqu'un. Il y avait pas une dame à l'arrière ah, aussi, il se passe un instant. On a renversé quelqu'un? Mais non, tu l'as esquivé, abruti. Je sais pas. On est passé
prêt, vraiment prêt. Mais peut-être qu'on n'a pas. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une vieille qui apparaisse à l'arrière. Bonjour. Enfin, bonsoir, du coup. Mais attendez, il n'y avait pas quelqu'un à l'extérieur du coup là? Ah non, c'est juste qu'on remarque pas que c'est lui. Ok, d'accord. C'est peut-être pas si grave que ça? Non, elle est juste foutue. Je devrais regarder les dégâts avant qu'on essaie de redémarrer. Une dame blanche, c'est ça? Ma boîte à outils encore. Ouais. Ah, mais attendez, je viens de remarquer un truc. Vu que les... En fait, moi, si je me mets relativement proche de la console. C'est parce que je ne vois pas des fois les écritures en fait. Mais là, vu que les sous-titres sont en grand, je peux. Attendez deux secondes. Tu m'as très agouté, saloperie. Le chat, tu vas pas t'y mettre aussi. Bouge de là. Ah là là. Je me fais bolosser par mon chat. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est, je peux reculer un peu plus vu que les sous-titres sont en grand. Voilà. Parfait. Bon, mettre ça un peu plus près, mettre ça là, il faut espérer que ça fasse moins de problèmes. Et maintenant le retour, il y a des commentaires, une dame blanche. Attends, il y a des commentaires qui ont sauté, bonsoir. Désolé, il y a des commentaires qui ont sauté. Ah non, attendez, c'est le chat qui a bugué, attendez deux petites secondes. Oui. C'est bon, il bug. Donc. Il n'y a pas eu un bug l'espace d'un instant là. Pourquoi ça me met. Attendez, j'ai peut-être dit une bêtise. En live, oui. Live. Oui, c'est bon. Alors quoi? Ah d'accord, ok, je me balade avec ça et j'analyse, ok. C'est pas si grave. Non, ma mère va me tuer. C'est moi, ouais, ça en bat des couilles. Tu fais quoi avec ta bouche? €60 Ah, les réparations, ouais, ouais. Putain, mais fais rire, lâche ma jambe. C'est quoi ce délire? Va dormir tout seul. Mon chat qui fait des crises de je veux dormir avec toi, mais je veux pas dormir là. J'essaye d'avoir peur. T'as remarqué? Est-ce qu'il y a différents angles de caméra? Non. Bon, déjà, le début encore ça va. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème, j'ai rien à critiquer. J'ai aucune remarque à faire. Attendez, je suis censé faire quoi moi? Je tiens la main? Je vais aider à changer le moteur. Ah là. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Interruption. Appuie sur L1 pour afficher. C'est quoi ça? Rejet. Max. Et je peux pas lire. Pourquoi tu m'as rien dit? Laisse-moi lire deux secondes. Thank you. Oh, oui. Je peux lire? Mais ta sœur, putain! Ah désolé. Donc oui, il est sur Xbox. Je suis désolé. T'avais dû demander. Ouais, mais j'essaie de régler mes problèmes. Et voilà. Parfait. Merci. Je vais finir par l'envoyer. J'ai vraiment hâte qu'on se tire d'ici. T'as qu'à t'imaginer tout près d'un grand feu de camp, en train de chanter des petites chansons de colo. Je crois pas qu'on devrait s'asseoir par une dame blanche. Tout près d'un grand feu de camp. Pourquoi? Parce qu'on pourrait prendre feu. Bah, ce sera toujours mieux qu'ici. Merde. Mais fais de rien. Ça va me faire chier ce chat. Et je peux rien faire quand il a envie de dormir. Et bah, on va voir ce qu'il donne justement.
Merci, je sais comment marcher. Faites ça pour marcher. Bah oui. On n'aurait pas dit, vous savez, sur YouTube, genre les vidéos de personnes qui s'imaginent avoir vu un être surnaturel, alors que c'est juste un montage fait sur Adobe Premiere. Ah là là, putain, ça commence bien. Tu vas où? Toi, vu ta casquette, tu faisais du tennis. Ça va être très bonne idée, ça. Reste dans le coin, ok? J'ai presque fini. Ouais, alors. En fait, j'appelle Félix parce qu'en fait, le pauvre, c'est un des rares chats qui n'a pas été volé dans mon quartier. C'est à la base le petit de mon premier chat. Et en fait, il a toujours la langue qui sort, donc des fois il bave en fait. Et bah, vu que mon ancien chat s'appelait Ati, comme le loup dans la mythologie nordique, lui je l'appelais Fenrir parce que normalement dans la mythologie nordique, Fenrir est enchaîné et bave sur son maître. C'est pour ça que tu me chopes la jambe depuis tout. Je viens de capter. Il essaye de refaire une. Tu sais, il essaye de faire un remake avec plus de budget, avec moins de budget, tu vois. Attendez, tu n'es pas ma mère obéissante. Ouais, moi j'évite d'aller trop loin. Max, en fait. Dépêche-toi. Tu peux pas lui dire je crois avoir vu quelqu'un. J'ai peur qu'il y ait une personne là-bas. Ah bah voilà. T'es sérieuse? Oui, elle est peut-être blessée, je sais pas. J'ai vu une dame blanche disparaître dans les bois. Je crois que c'est une personne qui est blessée. What? Je crois qu'on a percuté personne. Je sais pas, j'ai entendu quelque chose, comme une voix de femme. Non, t'as vu quelque chose. Qu'on a renversé. Mais si on l'avait renversé. Ok. D'accord. Alors, en tant que personne s'étant fait renverser trois fois, je peux vous dire par expérience qu'on ne reste pas debout à marcher dans genre normal. T'es à terre un moment. Tu sais, mais elle, peut-être qu'elle pas est trop blessée. Loin. Ok, sois prudent. Ouais, ouais. Peut-être que vous êtes con. C'est un chat catcher. Ouais, c'est ça, c'est un chat catcher en fait. Il veut me faire un suplex en fait, mais vu que je suis plus grand que lui. Tu sais que si tu me mords la jambe, je te prive de pâté. Bonne chance à toi. Non, mais attendez, pourquoi ils se séparent? Attends. Pourquoi ils se séparent? Attendez, wait. On est d'accord que. Les mecs, on est au 21e siècle, genre on doit être en 2016, un truc comme ça, ils ont un smartphone de plutôt bonne qualité. Ils ont dû voir des films d'horreur, hein, on est d'accord. Possiblement à cet âge-là, faut pas déconner. À quel moment t'es dans la nuit noire et tout, ton véhicule a peut-être percuté quelqu'un, tu pars en exploration, elle s'est crue dans Dark Souls? J'ai 26 ans. Ouais, c'est cliché des films d'horreur. Non, t'inquiète pas, c'est pas un discret besoin. À mon avis, si j'étais une gonzesse, je cacherais peut-être mon âge. Mais c'est quoi ce délire de vouloir se mettre en danger? À un moment donné, faudra m'expliquer. Hein. Je sais qu'on, quand nous, on est des jeunes, mais on n'est pas cons quand même. Carte de tarot débloquée. Le fou. Je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous, nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. Non. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre? À part si ça m'aide à survivre. Genre je balance une carte en mode Uno et ça force l'esprit à partir. Mais jamais je fais ça. Et si j'ai une copine qui fait ça, je l'abandonne dans la forêt. Jamais tu fais ça. Indice récupéré. Trophée obtenu. C'est quoi ça? La bonne question, je m'interroge sur le jeu, c'est quoi ça? L'affiche d'un spectacle oublié dans les bois. Attendez une minute, qui met des affiches de spectacle comme ça, genre dans les bois? Genre, il y a un mec qui s'est dit, c'est l'endroit parfait pour que les gens sachent qu'on fait un spectacle. Mettons-la sur un arbre, au milieu de la forêt. Quoi? Ah putain! Mais arrête ce chat qui déconne H24, j'en ai marre. Non mais personne ne fait ça. Mais quand je commence à utiliser le terme meuf, c'est que c'est un révélateur. Il faut savoir que c'est que je c'est que là je peux plus. Ouais, c'est l'affiche inutile, tu sais. Ouais, c'est logique, tu sais.
Moi, franchement, je change de... Il faut changer le mec qui est au département communication, hein. Et si on mettait des affiches dans la forêt? Pour attirer qui? Des ours, des écureuils et des renards? Attendez, je sais même pas où je vais. Tu sais, comment tu vas retrouver ton mec après? Parce que techniquement parlant, t'es dans le noir là, complet, hein. Comment tu retrouves ton mec? Ah, c'est classique, hein. On retrouve souvent des coffres forts, pas des coffres dans les forêts avec des menottes. Ah, ça c'est le coffre dans ma chambre, ça y a quelqu'un qui a touché à mes menottes. Donc ça veut dire que techniquement parlant, en dessous du tissu doit y avoir des sextoys. Un coffre rempli de dispositifs, le vestige d'un spectacle. Ouais, un spectacle BDSM, tu sais, avec des clowns. C'est quoi ce délire? Ah putain! Ça y est, je suis persuadé, c'est le même mec qui a fait Till Dawn qui a bossé sur ce jeu. Rien n'a de sens. Le début, ça partait super bien. Même la musique, elle était cool, hein, je trouve. Bon, non, mais alors là. Meuf, tu veux mourir au bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est? C'est le genre de truc qui fait qu'après, tu fais demi-tour en général. Une cage brisée. Ok. Là, l'enfant chien. L'enfant chien. Ah là là. Non mais prends, non mais c'est que c'est maintenant qu'elle dit c'est trop chelou. Mais moi depuis le début c'est chelou. Et ouais c'est ça, ils sont jamais remarqués. Les mecs, tu sais, ils ont fait un spectacle dans la forêt, on les a oubliés. Je veux pas être méchant, mais je suis désolé, hein, ma suspension d'incrédulité, elle est en train de me faire des fucks là dans ma tête. Tu sais, elle est à deux doigts de se barrer. Ok, jusque-là ça va, ça fait film d'horreur, c'est normal. Ah, c'est peut-être maman qui cherche son fils en fait. C'est pour ça qu'elle dit Silas depuis tout à l'heure. Peut-être qu'elle cherche son gosse. Faut qu'on retrouve un chien. Allez, faut. Aidez-moi, hein. Si jamais vous voyez un indice, faut retrouver un chien. Enfin, faut retrouver un gamin qui a la gueule d'un chien. C'est un peu particulier. Ça se trouve, c'est une tentative d'avortement à retardement. Ou alors elle s'est fait niquer par un chien et on a eu le premier Dogman. C'est peut-être inspiré du Dogman, une créature de légende en fait, une sorte de. C'est un loup-garou, sauf que c'est un homme-chien là. Tu vois, si c'est un homme chihuahua, déjà la classe elle est partie. Hein. Mais pourquoi tu te balades, meuf? Tu sais même pas où est ton mec, t'es paumé. Et t'entends des voix. Tu sais, le mec il s'est déjà barré, hein. Le mec il a déjà pris la bagnole, il s'est barré. C'est ça. Tu sais, le mec il s'est barré, tu sais, non mais c'est trop compliqué. Je veux pas être méchant, mais en fait j'ai pas peur. Parce que quand ça commence à être trop con, tu vois, j'ai pas peur. Où êtes-vous? C'est là. Rendez-moi mon enfant, il est moche mais je l'aime. Je sais pas c'est quoi le délire. Silas, c'était pas le nom du méchant dans Heroes? C'est que maintenant qu'elle court, hein. C'est que maintenant, tu sais. Runaway. Tu sais même pas où tu cours. Hein. Elle court au pif. Faut que je sorte de la forêt. Une branche. Faut faire gaffe aux branches, rappelez-vous. Faut faire gaffe aussi aux crocodiles géants. Ah putain, ils nous remettent la branche. Attendez, j'ai pas compris. J'ai appuyé sur le truc. Attendez. Ouais, sérieux? J'ai appuyé. Donc normalement on devrait voir un crocodile là. D'accord, j'ai compris. En fait c'est le joystick analogique. Mais moi sur une manette de PS4, il y a la touche rond. Et moi j'appuie sur rond forcément. Tu sais les mecs ils arrivent même pas à distinguer un joystick de la touche. Tu vas bien, hein? Il y a une femme qui m'a murmuré un truc à l'oreille. Dis-moi, Elle ça cherche va? un chien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi. Non. Oui, c'est ça, faut baisser le joystick, mais moi. Chérie, tout va bien. Respire calmement. Respire. J'ai trouvé tout une va cage. Bien. C'est la forêt, t'inquiète. Il y a plein de Non, trucs.
T'inquiète, chérie, c'est la forêt, c'est normal. Ah bon? Il y a des dames blanches et des hommes chiens dans les forêts? Ah putain, ça peut être flippant. Écoute-moi, Max. On peut partir d'ici, s'il te plaît. Bien sûr, ouais, viens. Okay. On y va. Ouais, j'ai réparé la voiture. Parce que c'est MacGyver, j'ai réparé la bagnole. Elle est intacte, la bagnole, regardez devant. Impeccable. C'est le mec, il a même lustré l'avant. Elle est où, la dame blanche? C'est ça, merci. Ouais, bien, écoute ça. Elle ronronne comme un chat. Max, allez. T'inquiète. Bagnole, c'est pas censé ronronner comme un chat. Sinon, ça veut dire que là, actuellement, j'ai une bagnole à mes pieds. Max. J'ai juste. Laisse-moi une minute. Il faut qu'on parte, Max. Ah, tu m'aides pas beaucoup. Cordel, s'il te plaît, j'essaie de nous sortir d'ici, mais arrête, c'est. Arrête, putain. Merde, excuse-moi, chérie. Je suis désolé. Bah attends, une crise de panique, ça se comprend. Non mais c'est mort, mec, t'es dans la boue, t'es en lycée, tout en va fait. Bien. On est en sécurité dans la voiture, ça va aller. Putain de merde. Oh, putain. Ça me fait plus peur, les screamers. C'est l'Amérindien qui débarque en mode Batman. Monsieur l'agent, comment allez-vous aujourd'hui? L'un de vous est blessé? Non, enfin, elle s'est cognée la tête. À peine, c'est juste une petite bosse. En fait, je sens plus rien, la bosse, je veux dire, pas la tête. Je vais bien. On va bien, vraiment, on est juste un peu secoué. C'est quoi ce flic chelou? Vous pourriez m'expliquer ce qui s'est passé? Oui, il y avait un gollum sauvage qui est apparu sur le chemin. Alors voyons voir ça. Chemin choisi, c'est quoi ça? Eh mais Bethesda, il va falloir songer à porter plainte. De tours et de détours, de chemins secrets et de merveilles. Et d'alligator géant. À chacun de vos pas, vous avancez sur votre propre voie, avec tous les risques qu'elle comporte. Il y aura des moments au cours du séjour où vous verrez que les décisions prises, la voie empruntée, auraient pu être. Rappelez-vous toujours avoir un déodorant dans son sac. Il n'existe pas de mauvais choix. Mais sachez que certaines voies sont plus dangereuses que d'autres. Ah putain! Bah en fait, non, c'est Supermassive qui a fait le jeu, mais tu sais pas pourquoi d'un coup. C'est quoi cette interruption? À certains moments de la nuit, des opportunités se présenteront, vous donnant une chance de prendre la situation en main. Ah, ça c'est mon chat, ça. Enfin, l'autre. Notez cependant qu'il ne s'agit que de suggestions. Rien ne vous oblige à agir. D'ailleurs, parfois, il ne vaut mieux pas. Ce tuto, mais ouais, ce tuto de l'enfer, c'est génial. Les scènes de QT, on les a vues, hein, si j'ai pas de bêtises. Honnête, dès le début. C'est un agent de police. Quelque chose s'est jeté devant la voiture et on a voulu l'éviter, alors on a braqué et... Et après j'ai vu une dame blanche dans la forêt. Quelque chose? Le chat, elle est où ma bouteille? C'est quoi ce délire? Non. Je suis désolée, il faisait très sombre et tout s'est passé si vite et elle a disparu. Par contre, on est d'accord qu'elle était dans la voiture à un moment. Vous avez percuté quelqu'un? Non, mon Dieu, non, sûrement pas. Enfin, je veux dire, c'est que je ne pense pas... Ouais, c'est ça, on dirait pas Fallout. Il manque juste le bonhomme de Fallout, la blonde. Monsieur? Chemin choisi. Laissez tourner le moteur. Monsieur? Le policier semble nerveux. Ce type est flic le plus flippant que j'ai jamais vu. J'en sais rien. Franchement, c'est la première ouais. fois. Que t'es arrêté? Que t'as vu, bah, que ouais, tu vois un flic? Criminel. Non, vous êtes pas arrêté. On vous a pas arrêté. C'est un multifin, ouais, il y a plusieurs fins apparemment. Mais si c'est comme le Till Dawn, on va penser. Je rappelle un truc. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on fait l'émission avec un ami, qu'on la prépare. Until Dawn, les mecs, ils se la sont pétés à mort. Vous avez des tas de choix de fins différentes. C'est faux, je vous le dis d'emblée. Hein. Une fin où tout le monde survit. Une fin où quelques-uns meurent, ça dépend de vos choix. Et une fin où tout le monde meurt. C'est tout. Il n'y a pas plusieurs centaines, plusieurs dizaines de fins. Il n'y a même pas 5 fins en fait dans le jeu. Il n'y a même pas ça quoi. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que
les choix étaient pétés dans Until Dawn des fois. Ça n'avait aucun sens. Donc j'espère que dans ce jeu, ils ont corrigé ça. Après, ouais, le flic est chelou, mais j'ai envie de vous dire, c'est un jeu d'horreur. Bref, j'aimerais bien savoir ce que vous fichez sur cette route, au beau milieu de la nuit, dans ce coin perdu. Alors, méprise, on visite. Amical. On est en route pour le camp de Hackett Squarry. On est des nouveaux moniteurs. Vous avez un jour d'avance? Non, enfin, on le sait. Mais on a décidé de venir en avance et faire le tour, voyez. Et puis ils sont au courant, on a appelé. Et pour être honnête, l'un de nous a surestimé son sens de l'orientation et maintenant on est perdu. Vous avez des GPS, bordel. C'est le flic le plus chelou que j'ai vu dans ma vie. Hackett Squarry. Pourquoi? Pas ce soir. Quoi? Le motel Harbinger. C'est plus près et vous pourrez y passer la nuit, d'accord? Je crois qu'on va s'en tenir à ce qu'on a prévu, monsieur l'agent. Monsieur Hackett sait qu'on arrive et on a téléphoné. Non, madame, vous allez vous rendre au motel Harbinger. Ok, là c'est chelou. Alors, ça peut être sujet à débat. Peut-être que lui préfère que eux aillent au motel se reposer parce qu'ils viennent d'avoir un accident, parce qu'ils n'ont pas trop les idées claires, qu'il leur faut un temps de repos. Ok. Mais là, c'est quand même mise en scène de façon chelou. Est-ce que c'est clair pour vous? On vaut mieux écouter parce que c'est un flic, okay. Et il a un flingue. D'accord. Bon, on va dormir au motel, c'est compris. Il y a juste un petit problème. J'ai oublié de prendre le forfait trou du cul du monde pour mon téléphone. Il veut dire qu'on est perdu, complètement. Ça va quand même, son petit parle, hein, ça fait jeune. D'accord, madame. Sortez du véhicule. Quoi? Je veux juste vous montrer comment aller jusqu'au motel sur votre carte. Non mais attends. Tu peux juste montrer la carte policier et te le mettre dessus? C'est tout, le doigt? C'est quoi ça? Ouais, c'est un mec, c'est un chaman vaudou amérindien. Bien sûr. Non, mais non. Restez dans le véhicule. Non, mais attendez, c'est louche. Non, moi je sors, attends, c'est ma copine, je la laisse pas seule, elle dort. D'accord. Non, mais. Quoi? What? Ok. Alors. On est... Qui fait ça? À peu près là. Le motel Harbinger est ici. Ouais, compris. Et où est Hackett Squarry déjà? Eh bien... Je suis sûr. Non mais attendez. Alexa, est-ce que lécher le bout d'un crayon a une utilité? Traduit de mounciné.org. L'ingestion d'une gomme à effacer peut provoquer un blocage intestinal. Non, Alexa. Ce qui peut provoquer Alexa, ta gueule. Non, c'est pas ça. Non, mais qui fait ça? Non, mais il a raison, Nyon. C'est... Mais quoi? Mais pourquoi? En fait, il a léché le crayon, vous savez, pour après pouvoir maudire la carte et l'endroit précis où il veut aller. Moi, je vois que ça. Qui lèche des crayons? C'est que les propriétaires du motel Harbinger pour vous l'indiquer. Pourquoi il insiste autant? Après, je peux comprendre, c'est un flic, il a pas envie que des jeunes roulent la nuit, surtout des jeunes qui ont eu un accident, donc il préfère que ces jeunes aillent dans un lieu sûr. Restez tranquille. C'est quoi qu'il a sur le cou? Oui, bonne question. Restez tranquille. Mais mec, mais il a plus de sang en chelouité. Ah! Ok, il veut la nettoyer en fait. Okay. Autant pour moi. Je veux juste. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a. Vous êtes comme neuf.
On est d'accord que là, il a récupéré un peu de son sang pour préparer une malédiction. Moi, je suis focus comme il a dit, Nihon, sur ça. Ce mec, c'est un chaman vaudou amérindien. Remontez dans le véhicule, madame. Ah putain, moi qui croyais qu'en France on était chelou, mais en Amérique. Le motel Harbinger. Mais je sais pas où est-ce que t'as remarqué, il a une morsure dans le cou. Attendez, et s'il y a quelqu'un par ici? Oui, je vais voir. Bonne soirée. Toi, t'es sur la liste des prochains. Des personnes, des antagonistes possibles. On est d'accord qu'il a maudit la carte avec sa salive et qu'il a mis en place une malédiction. Pourquoi il y a de l'autre? Pourquoi il y a des néons sur sa caisse? C'est une voiture du futur? Et que lui, en fait, il a récupéré un peu du sang de la fille là, pour la maudire en faisant, je sais pas moi, une poupée vaudou et en la piquant de partout. Pourquoi il reste planté là, ce taré? Pour s'assurer que vous alliez à l'hôtel. Non, on va pas l'agresser. J'avoue que moi, j'aurais préféré que ma copine me gronde. Putain, mais grave, qu'elle me dise. Grâce qu'il avait là. Tu crois que c'était du sang? C'était un plaisir. Non, mais par contre, mec, toi, comment t'as agi, sérieux? Très bien, on va pouvoir reprendre la route. Ouais. Je crois que j'ai eu assez d'aventures dans les bois. Moi, c'est le bol final, c'est ça. C'est clair. Il va nous sortir déguisé en marabout avec son bâton. Et il va nous lancer des esprits à la gueule. C'est quoi? À Kate Squarry. Il a dit d'aller à l'hôtel. Je sais pas, je me suis arrangé pour qu'il me dise. T'as assuré? Attends, what? On ferait pas mieux d'écouter son conseil et d'aller au motel? Chérie, tu veux vraiment suivre le conseil d'un type flippant qui nous a dit en plein milieu de ces bois flippants d'aller à un motel flippant? T'en sais rien, s'il est flippant non, le motel. Non, il vaut mieux pas. Ouais. On va reprendre la route, ok? Ravie de l'entendre. Madame. Non, mais je te jure, s'il m'avait appelé encore une fois madame, je crois que je lui aurais fait bouffer son badge. Sérieux, j'ai l'air d'être une madame? Je serais pas une madame avant au moins 20 ans. Voilà, c'est pour ça, messieurs, dites mademoiselle. Hein. Malgré ce que peuvent vous dire les pseudo-féministes de merde, dites mademoiselle, même moi quand je m'adresse aux gens, même à des personnes âgées, hein, j'ai pris pour habitude de dire mademoiselle parce que y a une femme à laquelle je tenais beaucoup qui me répétait constamment que madame c'est une insulte pour les femmes en fait, ça fait vieille. Au contraire, c'est beaucoup plus charmant et ça fait, c'est un compliment quoi de dire mademoiselle. Quoi? Bah, 20 ans c'est un peu et beaucoup. Puis c'est quand même plus classe que d'appeler une fille meuf, okay, ou ou je sais pas c'est quoi les termes qu'il y a actuellement pour parler des filles, mais bon. Voilà. Le policier est flippant, mais le petit ami sert pas à grand chose, visiblement. Toi, tu vas mourir très vite. Tu vas très vite mourir. T'es sur la tier liste des premières victimes. C'est quoi ce. Jason? T'es là? Non, moi, franchement, c'est une blague, y a personne. On s'est tapé toute la route et y a personne. Max, on pourrait faire le tour avant de tirer des conclusions. Est-ce que t'as parlé à Monsieur Hackett ou t'as juste laissé un message? Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est ça que ça change. Non, mais attends, t'es censé l'avoir appelé. Sinon, ça veut rien dire. Eh oh! Et là, il y avait Jason qui va apparaître en fond. Comment j'aurais pu le savoir? C'est pour ça, ne laissez jamais une femme faire enfin, le travail d'un homme. Il y a clairement quelqu'un ici. Ouais, ou alors c'est juste une épave et on perd. Pourquoi y aurait une épave? Ouais. Max, allez. Max, sois pas con. Et pourquoi tu fais ça? Je laisse pas ma copine dans le noir comme ça. C'est quoi ce petit copain de merde? Attendez. Y'a quelqu'un ici? Non, y'a personne. Qui a dit ça? Attends, il a pas allumé la caisse pour se barrer. Il s'est barré? Il s'est barré? Alors l'exploration par contre est cool, hein. Elle est beaucoup plus dynamique que ce qu'on avait pour habitude de voir de la part de Supermassive. Donc ça va. Bon, on accélère pas de fou, mais bon, ça va. En même temps, elle a aucune raison de courir à fond là.
Bah, il y a une fenêtre, non? Tu vas pas regarder? Mais il y a de la lumière dedans. Attendez, il y a un truc à montrer là. Ah, il y a une tasse. Et dites-moi, je suis censé voir un truc en particulier. Je sais pas où moi. Ouais, va à la voiture, t'as raison. Par contre, on est d'accord que le mec là, il commence comme un connard. Hein. Déjà, il part pas avec sa copine, pour commencer. Il la laisse se barrer comme ça, genre. Mais j'en ai rien à foutre, moi. J'ai un accident de voiture. Ma copine dit, tu restes à côté de moi. Je m'en bats les reins, moi, de tout le reste. Tu restes à côté de moi. Quoi ce mec? Ah ouais, c'est un connard. Je sais pas toi, je sais pas si t'es en couple, un truc comme ça. Tu laisses pas ta copine se barrer comme ça dans la forêt? Sympa. Ouais, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Signé Jason. Jason Voorhees. c'est... Et là, il y a un mec avec un masque de hockey et une machette qui débarque. Alors, je fouille un peu, hein, désolé. Toi, tu m'avais dit en bas dans la voiture. Juste un peu histoire de peut-être y a un truc que je trouve, je sais pas, genre un moyen d'entrer. C'est quoi, c'est un gilet jaune? C'est quoi ces bruits bizarres? C'est pas mon chat ça d'ailleurs. Il est où Henry? Il est passé où? Bonjour. Ah, ça c'est normal, la pupille qui se dilate pour essayer de capter le plus de lumière possible. Hé, hey, vous allez bien? Un screamer, normalement. Je reviens tout de suite, je vais chercher de l'aide. Et il t'a dit qu'il avait besoin d'aide? Max! Max, viens par là! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dans la cave, je crois qu'il est enfermé. Enfermé? On croit que c'est Monsieur Hackett? Je sais pas, je... apporte des outils, on doit meuf, casser le cadavre. Non, mais reste à côté de ton mec. Hey, je suis là. On va vous sortir d'ici. Hé. Attends, c'est quoi ça? Je sais pas, t'as dit des outils. Pourquoi t'as pas amené là? Ça c'est typique des femmes, hein. Elles te disent ramène un truc au pif, hein. Genre ramène des outils, ramène des couverts. Genre ramène un couvert, tu viens avec une fourchette et elle dit mais en fait c'était la cuillère. Mais tu m'as dit des couverts. Quelqu'un en bas. Je vois personne là-dedans. Si, là. Je regarde, je vois. Pourquoi rien. Ta copine te mentirait? Ouvre le truc, bordel. Non, mais il y avait vraiment. Elle a vraiment vu quelqu'un. Il y avait quelqu'un tout à l'heure. Oui. Ok, bon. Attends deux secondes, juste je lis ce que tu as dit. Je t'avoue, je suis sexuée, je veux pas de copine, je trouve les femmes vicieuses après. Alors, je peux te confirmer sur les femmes vicieuses. Je suis d'accord, il existe des femmes formidables, mais peut-être qu'un jour je changerai. C'est une très bonne façon, un très bon, comment dire, une très bonne façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu te prends pas la tête à essayer de te trouver une copine ou un mec, hein, on sait jamais. Hein. On est ouvert à tout, on va dire. Mais te casse pas la tête, ça viendra parce que moi j'ai sorti. Alors pour te donner une anecdote, la dernière avec qui je suis sorti, elle m'a tellement fliqué que j'en ai eu marre. Genre, je peux pas écrire moi, je peux pas. Avec mes mains, je peux pas. Et donc, en fait, à un moment donné, il fallait remplir une fiche à la fac. C'est une fiche d'information personnelle. Du coup, moi, j'étais en bout de rang. Genre, j'étais vers le mur. À côté de moi, il y avait une fiche. Je lui ai demandé si elle pouvait me remplir la fiche. Je te donne ma... Je peux pas jurer, je suis pas croyant. Je te donne ma parole que quand j'ai fini mon cours, que j'ai rejoint ma copine, à un moment donné, elle m'a parlé de ça. Et elle m'a dit, ouais, pourquoi t'as demandé à la fille à côté de toi de remplir la fiche? Comment tu sais ça, vu qu'on est dans deux départements séparés? Genre on n'était pas dans le même cours. Parce que s'il y avait le même cours, j'aurais demandé à ma copine. Comment tu sais ça? Et ça fait partie des trucs flippants. Genre j'ai juste dit, bah je peux pas écrire, donc je lui ai demandé de remplir. Et tu pouvais pas demander à un mec. Mais moi, mais sur le coup, je demande à la personne à côté de moi.
Je vais pas me lever dans la salle et dire, excusez-moi, vu que ma copine est ultra tordue, est-ce qu'un mec pourrait remplir ma fiche pour moi? C'est pas rien. En fait, je peux pas écrire parce que mes mains tremblent. J'ai différents trucs. En fait, je suis atteint de fibromyalgie, donc c'est des douleurs en continu. J'ai les jambes sans repos et en fait, plus je me déplace, plus j'ai mal. Et les jambes sans repos te forcent à te déplacer. Donc ça accentue le truc. Les mains qui tremblent et des problèmes de mémoire, notamment des chiffres. Donc, prendre le marteau, prendre les clés à molette. M'en fous, prends le marteau, frappe, vas-y. Prends le marteau. T'es sûr? Ça va faire vachement de bruit. Ah, il a pas tort. Bon, d'accord. Les clés. La vache. Non mais attends, elle a des muscles dans les bras, c'est pas possible. J'ai pas vu le message. Ah, très chelou mon ex, hein, très. Mais c'est ça que. Alors après qu'on ait cassé, je crois, un peu plus d'un mois après ça, elle m'avait envoyé un message en me disant. Parce qu'en fait, moi je voulais rester avec mon meilleur ami, quoi. On a cours ensemble, on a des cours ensemble parfois. Et elle en avait marre et ça lui faisait chier. Et en fait, après qu'on ait cassé, un peu plus d'un mois après, elle m'avait envoyé par message ouais, du coup, je suis vraiment désolé, etc. J'aurais pas dû être comme ça. Je t'autorise à voir ton meilleur ami. Comment ça, tu m'autorises? T'as jamais vu Evil Dead, hein? Donc ils ont vu des films d'horreur finalement. Mais les mecs, heureusement qu'il a un marteau avec lui. Attends, mais comment elle a pu voir ça depuis la porte? Genre le mec qui était devant les escaliers. Vous existez? Vous existez, c'est le premier truc. Moi j'aurais su si il y a quelqu'un. Eh, hey, fais attention. Mais va avec elle, putain! Mais c'est quoi ce fils de pute de compète? Pourquoi c'est la fille qui va tout seul? Ah, j'ai trouvé un truc avec écrit Yan. Je sais pas si ça sert par contre. Enfin, j'ai vu en tout cas. On va y arriver au Dogman, hein. C'est ça, exactement. Alors moi j'ai fait des études en histoire de l'art, des études en histoire, et maintenant je suis en littérature. Mais attends, on va vraiment tomber sur le dogman. Le cogneau ensanglanté semble trop grand pour un chien. En fait ça aurait pu être moi plus tard, tu vois. Genre elle m'aurait attaché dans une cave et elle m'aurait gardé pour toujours là-bas. Genre, je sais pas si tu connais le manga Mirai Nikki. À un moment donné, il y a ça avec le protagoniste. Il est en sous-vêtements, il est attaché sur une chaise et il y a sa copine qui lui donne à manger avec une cuillère en mode psychopathe. J'aurais fini comme ça, avec une laisse autour du cou. Là, du coup, c'est le moment où tu prends la fuite en général. Max ? Connard, ramène ton cul ici, bordel. Il y a un dogman, on en est vraiment là. Ah bah regarde Mireille Niki, c'est chelou. Je veux devenir enseignant surtout. Et en gros, simplifier un peu l'enseignement, l'éducation pour les jeunes. C'est-à-dire, pas forcément genre comme les gens qui prennent les jeunes pour des bébés. Hein. Genre en mode, ah tiens, si tu veux, fais ça, je te donne un point. C'est plutôt essayer de rendre plus simple, compréhensible et accessible l'enseignement. Chérie, c'était peut-être juste un rongeur. Non, il y avait... Ouais, c'est un gros rongeur. Il y a quelqu'un ici, je t'assure. Il y a un cadavre. Eh, la nuit a été longue. Non mais attends, je veux bien la nuit de colombe, je suis désolé de couper, mais... Ou un cadavre, je veux pas lui dire. Ouais, c'est ça, il allait tout seul aller à un cave en mode zombie. Ok. La nuit a été allons longue, c'est motel, normal de voir des cadavres. On viendra demain matin à la première heure et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Pourquoi il y a mais un zoomaria? Tu dois être épuisé, moi je le suis. Je connais notre ça. Imagination... What? On est d'accord, là on est en mode dogman. Ah ouais. C'est bon là, tu le crois? Moi j'ai cru qu'il l'avait bouffé à ce stade. Si tu sens... Aide-moi. Il va se faire choper et tirer en arrière. On est d'accord, c'était pas un chien. Le machin était debout. On en est arrivé au dogman. Beaucoup de sang, frère.
Il va se faire tirer en arrière. Non, c'est t'abandonne pas ton mec. T'as abandonné son. Ok, c'est un fils de pute, mais elle, c'est pas une connasse. Allez, ma grande. C'était pas un chien, le machin, il tenait debout. C'est peut-être pour ça que le flic il voulait pas qu'on aille là-bas. Quoi? What? What? Tiens, l'officier de police. Ok. Un Max Garou. Est-ce que vous trouvez je la que ça ressemble à ce putain de motel Harbinger? Tous les soirs, à partir de 21h, je vais. Ah oui, c'est sûr, non mais... Attends. Ah, c'est génial, ce jeu. Donc, on est d'accord, il y avait un Dogman ou un loup-garou. Bon, à la fin du jeu, salut. Ah, c'est génial. Je connais cette chanson. Ils ont pas fait long feu, hein, les animateurs de Colo. Les animateurs de Colo, ils ont duré moins un jour. Non, on peut pas voir la lune comme ça pour les mecs. Merci de me l'avoir trouvé le nom, elle est géniale cette chanson. Et c'est comme ça que des moniteurs de colo ont disparu. La fille, on va la retrouver en sous-vêtements attachée sur une chaise et nourrie à la cuillère. Ah, donc là on passe à la sorcière. On a vu le loup-garou, maintenant ça va être la sorcière. Bonsoir à vous. Bienvenue chez moi. Ah bah oui, mais même avec Kane, on est sympa, on rigole un peu et tout. Allez-y. Là, on finit dans à peu près 20 minutes, c'est temps de lancer un peu et de voir si c'est intéressant. J'attendais, oui. Et j'espère que notre temps passé ensemble sera instructif. Ouais, bah Yaga, vas-y. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Je suis un peu... Bonne nuit, on est d'accord que elle, c'est l'équivalent de Robert Patrick dans les Dark Pictures, là. Le mec, le gardien de la bibliothèque. Avec du courage. Ou le psy dans Until Dawn. Et bien sûr, votre autorisation. Je vous aiderai. Nous nous entraiderons. Mais elle parle au joueur ou il y a quelqu'un avec? La carte que vous avez trouvée. Ah oui, c'était elle dans la voiture, d'accord, merci. Mais il a une meilleure vision. Je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. Ouais, le l'innocence et la liberté, ou l'irrationalité et les risques. Ah, The Quarry, il a l'air la génial. Spontanéité, je suis plus hypé que dans Until Dawn. Et toutes les conséquences qui en découlent. Oui, cherchez et vous ne vous brûlerez pas. Pas l'inverse. Je peux vous en montrer. Allez, bise. Si vous le on dirait Marianne. Ah là là. Ouais, vas-y, montre-nous tout, madame. Voici ce d'abord, on prendra 21h sur quelques jeux et on finira avec le coin. Plausible. Un chemin à tracer. Regardez. Elle a même une boule de cristal, putain, elle a la totale. C'est, elle a le set complet Sorcerer Pack. Il faisait quoi, le mec? Il réchauffait ses mains? Il existe bien des secrets, vous savez. Des secrets et des mensonges. Des chemins à découvrir que je peux éclairer pour vous. Si vous oui, vas-y, bye bye, gars. Laissez-moi vous aider. Et rappelez-vous. Elle parle aux joueurs, on est d'accord là. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui, enfin là. on est d'accord que bon.
Le mec qui est tombé dans le sous-sol, là, il reviendra pas plus fort. Mais c'était un loup-garou, un dogman, un truc comme ça, d'accord. Ah, Balek de la blonde. Mais déjà, on sait que le flic, il est douteux. Déjà, on sait ça. Chapitre 1. Vive à Kate Quaris. On n'est pas sur le même registre. Trophée obtenu, prologue. Vous vous rendez compte, on a déjà un mort, genre j'ai déjà tué quelqu'un. Putain. Ouais, par le jeu, on est d'accord. Hein. Parce qu'elle lève la tête en haut, genre s'il y avait un personnage, il serait en face d'elle. Elle est sur la caméra. Donc, il y a un loup-garou en fait. Et il y a un policier chelou. Créé en 1953. Il y a combien de morts depuis ? Putain, il y a des vieux cartes et tout. C'est génial. J'ai cru qu'elle faisait des fucks. A plus. Ah. En vous, j'ai cru qu'elle faisait des fucks. On se revoit bientôt. Ouais, à Kate Squarry déchire tout. La blonde, on s'en branle du coup. Tu sais combien de cœurs sont brisés le dernier jour d'une colo? Une vraie romantique apocalypse. Oh. Les choix sont bizarres. Enfin, on sait jamais. L'univers a sa façon à lui de régler ce genre de choses. Pour que les saints y puissent déjà. L'univers. Ouais, tu sais, les dieux de l'espace cosmique. Ok, c'est un super hippie. Parfaitement. Ok, accouche. Y a rien à dire, c'est vrai, ça va. Oh, ça va. Ça va super bien. C'est vrai que les couples cassent en fin de colo. La blonde s'est fait piquer. Non mais la blonde là, elle est enfermée dans une cave avec un mec fan de BDSM et du garou. Ok, ça c'est. Mais la blonde, elle est en grand sur la couverture, donc on va forcément la revoir. C'est un truc d'intello. Sois mignon, prends les derniers sacs, tu veux. Oui, chef. Et salut Emma pour moi. T'es vraiment une teigne. Et j'assume. Ça va, ils ont l'air un peu réalistes entre guillemets. La cave. La cave. C'est un peu difficile de se diriger par contre. C'est pas le mec qui jouait dans Jurassic World 2 et dans Détective Pikachu? Hey, qu'est-ce que t'écoutes? Il s'en bat les couilles. Intéressant. T'es pris un vent phénoménal. Non mais reviens en arrière, il y a la cave. Putain, il y a une blonde dedans. Enfin, il y a un loup-garou en tout cas. Mais on sait pas quand ça se passe, ça. Est-ce que c'est avant ou après les événements? Concrètement, on sait pas. Si ça se trouve, c'est avant tout ça. Genre, on va nous raconter comment le loup-garou a vu le jour, etc. C'est vrai, ouais, c'est... Moi, il faut que je porte des trucs, c'est ça l'idée. Allez, les sacs, Jacob. Allez, au pied. Bon chien. Ça, c'était la camionnette qu'il y avait quand ils sont arrivés avec la blonde. Oh, ce qui 53, on a de la marge. Ouais. Plus fort. S'il y a un ou deux morts par an. Disons deux morts par an minimum, on va dire. Ça veut dire que si on est genre, on va dire en 2000, on va dire en 2020, 47, 134 morts minimum. C'est fou, genre 134 personnes sont mortes. C'est plus, je crois, que dans la forêt des suicidés. C'est pas vrai. Hey, vous comptez m'aider avec les sacs ou pas? Ah. En fait, j'étais en train d'essayer de réparer la porte. Elle est... Dylan, elle arrête. Est cassée. Dylan, non. Je peux pas. C'est... Il me reste des sacs je à descendre, pas ce sérieux. C'est pas ma faute. Dylan, arrête. Mais laisse les baisers, lui et l'autre. Cool, merci les gars. Il y a toujours une bonne sodomie dans un coin. Histoire un peu de, voilà, décoincer les gens du cul. Non mais là, ce qui est bien, c'est que genre, ça a cassé complètement avec ce qu'on a vu avant. Genre, c'était... Alors...
y a beaucoup de problèmes, hein. Genre les mecs, ils ont un téléphone avec un GPS, mais ils n'arrivent pas à retrouver un camp de. Un camp, quoi, si je veux dire. Vu la taille du camp, vu le nombre de personnes qui y vont, ça doit être sur Google Maps. Tu vas sur Google Maps, tu mets le GPS, t'arrives. Point. Non mais attends, t'es obligé de passer par la fenêtre pour récupérer tes bagages, c'est chelou. Infiltration. Cool. C'est quoi cette maison où tu dois rentrer par effraction? L'horreur. Ah, il n'y avait pas de réseau, ok, d'accord. Heureusement que tu es là pour voir les détails, toi. Donc, ils n'avaient plus de réseau. Ouais, bon, bah, du coup, logique d'utiliser la carte. Mais moi, je pars jamais de nuit en fait, comme ça. Enfin, je pars de nuit de telle sorte à arriver de jour au truc. Je sais pas pourquoi les gens partent de jour pour arriver ensuite de nuit, c'est complètement con. Je sais que vous niquez quelque part, mais prenez pas pour un con. La maison, elle est grande. Par contre, graphiquement, vraiment, il y a eu un. Alors, je me plaignais souvent d'Until Dawn en disant, ouais, pourquoi. On voyait sur l'écran de voiture, d'accord, très bien. Je disais, pourquoi est-ce que les mecs, ils arrivent de nuit et tout, alors que là, le jeu commence de jour, donc c'est normal. Porte réparée. Non, mais les bagages, du coup. Je voulais juste montrer que c'était débloqué, je voulais pas que tu sortes. Bon, ils baissent où les deux là? Alors, la tempérance. Ah bon, bref, ouais. C'est un psy en gros, la tempérance. Si, j'ai l'impression, j'étais en train de me dire ça justement. On dirait pas un peu le chalet dans Until Dawn? Il me semble, hein. Après ils l'ont peut-être un peu modifié et tout, mais ouais. Après je me dis tous les chalets doivent se ressembler. Vous avez fini de baiser? J'aimerais pas être coincé ici. Ça c'est un foreshadowing. Pour quand il sera coincé là-dedans et qu'il pourra pas sortir. Ou alors pour enfermer quelqu'un. Ça peut tout simplement être un fusil de Tchekhov. Ça dépend, soit foreshadowing, soit fusil de Tchekhov. Souvent en cinéma, en études de cinéma, souvent on les confond. Le fusil de Tchekhov, c'est en gros, si tu montres un élément, genre que la caméra appuie dessus, il est obligé de servir. S'il ne sert à rien, c'est que ce plan ne servait à rien. Par exemple, s'il y a un fusil sur un mur, que si la caméra est à un moment donné centrée dessus, cool. Bah, à un moment donné ça, dans le film, ouais. Tu vas devoir te servir du fusil. Tu ferais bien de t'y habituer. J'hallucine, t'es sans pitié. Mais j'ai pas compris, bah, au moins, il se casse. Ah, ok, c'est parti. Jacob, tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma, je me trompe? Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est moi qui raconte pas toute l'histoire, hein. Et dis pas Nawak, sinon je passe à l'attaque, Jacques. Qui dit ça? Ah non, j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi. Non. T'allais me raconter à moi comment toi, t'as totalement flashé sur Ryan. Attends, tu veux parler de Ryan? Le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi? Ça va, ils sont bien joués quand même. Je le savais. Je m'en suis jamais caché. D'accord, mais je voudrais juste comprendre un truc. Si tu flashais vraiment sur ce mec, pourquoi t'as rien tenté? Alors elle t'a juste largué comme ça. Bon, ok. Elle était en mode, comment ça pourrait marcher entre nous? Différentes facs, blablabla. Bla bla. Et de mon côté, j'étais plutôt, peut-être à distance, blablabla. Bla 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 bla. Et elle m'a fait genre... Personne Jacob... Elle t'a fait le regard. Ouais, sans commentaire. Waouh, t'es complètement accro à cette meuf, y a pas d'autre mot, c'est hallucinant. Comment ça va, les dialogues ont l'air un peu réalistes. Ok, tu sais quoi? T'as peut-être raison, pas les dialogues, peut-être qu'elle a une espèce de d'emprise surnaturelle sur moi, mais je vais te dire, peut-être que ça me plaît. Ouh, ça lui plaît. Check. Faudrait l'attacher tellement après dans une cave. Oh, ok.
Waouh, la vache. Ça sent la... Ouais, ça pue carrément la jalousie. Non, par contre, là, le dialogue qui dure trop longtemps, il est merdique. Juste que peut-être que certaines filles n'ont pas le cran de sortir avec un vrai mec, tu vois. T'es un vrai charmeur, tu sais ça? Merde, la manette, elle vibre trop. Je dis juste que je pige pas pourquoi t'as pas tenté le coup avec Ryan. T'aurais dû saisir ta chance. Comment on saisit une chance qui se présente pas? Mais faut pas attendre que ça se fasse tout seul. Il faut provoquer un peu les choses parfois. Voilà, merci. Alors ce mec est devenu un psy de l'amour, c'est vrai. Hein. N'attendez pas que l'amour vienne à vous. Hein. Faut aller vers l'amour. Après, ils sont plus jeunes que moi, à mon avis. Ouais, bien c'est sûr, des amours, lui courir après tout l'été comme une chienne en chaleur, tout ça pour me faire larguer le dernier il jour. Il va avoir pas 20 ans. Ok. Tu me manqueras pas, Kathleen. Là, elle est en colère. Ok. Est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler? Jette un œil. Y a intérêt. Parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau. Hé. Hey. Ce qui ne te tue pas, te rend plus bof, fort. Regarde, toi je t'ai pas tué. Bah encore. Non, demande aux victimes de Jason. Hé, lâche-moi. Certains ne sont pas devenus plus forts. Le psy n'est pas devenu plus fort. Hein. Il est devenu plus peureux. Ok, donc, c'est une simple hypothèse, mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici, je devrais faire quoi au juste? Bah, tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou, je sais pas... Arracher le doigt d'allumeur. J'ai cru qu'elle allait dire me faire un doigt d'honneur. Ok, et ce truc-là, un doigt d'allumeur, ça ressemble à quoi? C'est un genre de truc qui pivote. Tu sais, sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent. Jacob, t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici, une nuit de plus avec Emma va rien changer. Crois-moi, sa décision est prise. Ouais. Non mais oui, mais c'est complètement con comme stratégie de merde. Non, tu répares le véhicule. Bien ce que ça veut. Tu répares, crétin. Je suis obligé? Je suis pas obligé? Attendez, je suis obligé de faire un choix parce que dans une ville, non, moi, des fois, tu sais, tu faisais rien. Là, je suis dans l'obligation. C'est quoi qui pourrait faire péter la bagnole? Moi, je crois que le doux. Couper l'arrivée de carburant. Bah, s'il n'y a pas de carburant, ça peut pas péter. Je sais pas. Ouais, couper l'arrivée de carburant. Normalement, si ça peut pas péter, en théorie. Ouais. Bon. Gagne une idée. Ah, j'ai reçu un message de Dieu. Attendez. Il n'y a pas d'autre choix, non. Alors, je fais quoi du coup? L'arrivée de carburant ou le doigt d'allumeur? Ouais, je serais Dieu, je sais. Qu'est-ce qui risque de moins péter? Parce que je crois qu'on avait une prémonition. Ou attends, on avait une prémonition, non? Je crois qu'on avait un truc, il y a quelque chose qui explose, non? Putain, il y a une map carrément, les mecs ils ont fait une map. Coupe le carburant, ok. J'adore parce qu'en fait ton émoticône on dirait Seb de JDG en train de rire. Oh, ça a l'air un peu. Ah, merde. Je te remets à ta place demain sans faute, ok? Non mais attends, mais ça va prendre feu. Ça, j'aurais dû couper l'allumeur. Eh les gars, là-haut. On dirait qu'il mijote quelque chose. Eh hey, Jacob. Non, c'est une non, femme, non, mec. Non, non, fais pas ça. Passe longue. Oh, Nick! Boum! Oh! Allez! La qui fait ça? Taré! Oui, taré. Hé, hey, dommage que j'ai pas de billet. Taré, je suis entouré de taré. C'est un mec ou une fille? Oh, enfin! Je sais qu'on est là pour se déconnecter, mais le monde m'a manqué. Monsieur H aurait pu donc ils ont du réseau ici. Un petit peu nos portables. Tu te remets jamais en question, en fait. Franchement, vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence. Genre s'il y a un loup-garou qui apparaît dans la nuit et qu'il faut absolument appeler de l'aide, appeler Van Helsing ou les frères Winchester ou je sais pas moi, appeler le vieux dans The Strain. Le mec il peut combattre des... Il peut combattre tout et n'importe quoi. À moins bien sûr que se faire larguer soit une urgence. Bim. Il avait pas une voix de femme il y a deux secondes?
être cave. Ok, mais moi au moins j'ai eu une relation amoureuse cet été. Bim. Wow, quelle répartie. Ouais, ben peut-être qu'on cherche pas tous des coups d'un soir. Ok, ok, c'est bon, on range nos petites bites et on se prépare. Oui, voilà, c'est ça. Tout le monde range son flingue. Où sont tous les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Bah, des fois, t'en sais plus que moi. Ouais, ben, je sais même pas quoi répondre à ça. Pourquoi? Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il lève la tête vers le ciel? Il a un problème? Je sais pas, t'as qu'à dire, Nick, t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut. C'est ça, ouais, continue de rêver. Sinon, l'arrivée de carburant qui est en train de noyer le moteur. Mais moi, en fait, je croyais, tu sais, qu'il allait couper la possibilité pour le carburant d'arriver jusqu'au moteur. Genre, un truc dedans qu'il allait resserrer. Mais pas qu'il allait foutre de l'essence dans le moteur. Ah, le mec, putain. Ah, parce que c'est vrai qu'on en avait pas souvent dans les jeux maintenant. Les filles avec les petites colorations roses légères. Qui dessine. Faut cocher une case, faut faire un bingo. Et en fait, elle est amoureuse du mec le plus beau du camping. Mais elle ose pas lui dire, vous voyez, parce qu'elle est très gênée, très timide. Du coup, elle a laissé la fille un peu sexy et tout, prendre de l'avant. Je préchote à l'avant. Coucou, vieux hibou. Alors, on en est où? Les gamins ont enfin foutu le camp. Top là, en haut. Ouais, demain, il y aura pas d'essence. Pourquoi il y a des musiques de screamer? Quand on fait les choix. Je rêve. Tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques. Porte fermée, sac coincé. Oh, fais chier. Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Attendez, je dis peut-être une bêtise, mais c'est pas complètement con de priver les jeunes de leur téléphone. Genre, s'il faut appeler à l'aide, ils font comment? Ils allument des feux, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a une série de feux qu'on peut allumer pour appeler à l'aide. C'est complètement con. Allez chercher la clé. Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Celle-là, je la publie direct sur YouTube. Laisser les sacs, entrer par effraction. Très bonne idée. Ok, je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennui. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Puis non, mais alors, elle est petite, hein. Il pensera que c'était un ours affamé. Qui cherchait des téléphones portables. T'as déjà vu un ours dans ces bois? Non, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. C'est alors, il y a un film qui est sorti, je vous le conseille, juste parce que c'est marrant. C'est un ours. Alors, il est sorti maintenant, là, normalement. C'est en fait, en grosso modo, il y a un ours qui a mangé un pain de cocaïne. Vous savez, un pack. Il est devenu complètement fou. Et en fait, il essaye de tuer des ambulanciers dans la forêt. C'est ça. Du coup, si vous voulez voir juste le délire, je me suis dit, putain, mais juste pour voir ça, genre un ours, merde. C'est quoi les vibrations? Un ours sous coke qui traque des ambulanciers dans la forêt. Ok, on y va. À 3, 1, 2, 3. Mais ça va, fallait juste ouvrir la porte. Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Ou alors parce juste que j'ai toujours raison. Un clic de la poignée. T'es sûr qu'ils vont croire que c'était un ours? Oh, sérieux, respire. Griffez la porte, prenez un truc et griffez la porte. Ok, bon, je vais juste refaire un tour pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, je vous conseille vraiment, il a l'air marrant. Il a l'air un peu fun ce film. Des ambulanciers poursuivis par un ours défoncé à la cocaïne. C'est la peluche d'Izzy. Je veux jouer à un jeu. Easter Edge, si vous connaissez la série des sauts, les films, jouons à un jeu. Bah, c'est pas à toi, tu le laisses. Ouais, tu peux sans doute rester là, espèce de petit monstre. C'est pas à toi, de toute manière. Chemin mis à jour, comment ça? On est d'accord qu'on voit pas bien, hein? Je vais augmenter la luminosité, moi, c'est quoi cette arnaque, là? Ouais, ça va. Tu vois mieux, Kane, toi? Là? C'est pas parce que ma télé est programmée en mode horreur. Après, je sais pas c'est qui Easy, mais... Y'a rien, là.
graphique sur ce lieu paumé. Alors, une coupure locale. Il y a une histoire d'incendie. Ah, il fait sombre dans le jeu, j'ai augmenté un peu la luminosité, j'espère que ça suffira. Donc une histoire d'incendie, ok, d'accord. Mais pourquoi tu le laisses par terre? J'ai jamais compris, moi, dans ces jeux vidéo, pose-le sur un truc, tu le jettes pas par terre. Pourquoi tu le poses pas par terre? J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. C'est une meuf, tu parles tout seul, là, ça sert à rien. Vous pouvez considérer que dès que je commence à utiliser le terme meuf, c'est qu'il y a des trucs chelous, là, avec le jeu, hein, c'est clair. Bon, j'estime avoir tout vu. À moins que Jésus n'apparaisse subitement. Donc on peut explorer en fait. Genre là on est en mode monde ouvert. Ah mon dieu, un jeu d'horreur avec un open world. Mais qui c'est qui garde une vieille coupeur de journal du chalet qui a brûlé. Pourquoi t'essayes pas d'ouvrir la porte, bordel de merde? Ça va me faire bizarre de pas être réveillé par les annonces de Dylan. Tu parles encore tout seul. D'accord, il y a un truc qui est apparu à la fenêtre, je suis pas fou. Je suis pas fou. Rassurez-moi. Attends, il y a une couille. Il y a un truc qui est apparu à la fenêtre. Alors, des apparitions. Alors, je trouve que c'est très couillu. Hein. Parce que moi, c'est le truc que je reprochais à Until Dawn. Je m'étais toujours dit, commencez le jeu de jour. Et progressivement, qu'on se rapproche de la nuit, là, vous commencez à mettre des trucs un peu surnaturels, étranges. Mais commencez direct de nuit. Alors, pour The Quarry, par contre, ça passe. Parce que je trouve que ça a été bien amené. Pour Until Dawn, c'était inacceptable. Ils auraient pu tous venir ensemble, déjà, au lieu de venir séparément. Et ils auraient pu tous essayer d'arriver de jour au lieu d'arriver de nuit. Mamie? Baba Yaga? Maman? C'est dans le doute. C'est ma mère. Qui est venue pour m'espionner quand je joue à des jeux vidéo. Arrête avec tes jeux d'horreur, joue à des jeux d'aventure. Hey, arrête ça. Hey, tu sais que les corbeaux, ils sont rancuniers, hein, les corbeaux, fais gaffe. Hein. Heureusement qu'on peut aller dans des coins un peu chelous du chalet. Se balader comme si on veut. Ah non, on peut pas. C'est moi ou c'est un carré? Ah non, non, j'ai cru que c'était un rocher, mais étrangement carré, non, non. Emmenons-nous dans les bois. Ah bah ça marche, c'est là par contre la chanson. Tant que le loup n'y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il est dans sa cave, il nous mangera pas. Mais qui garde un loup-garou dans une cave? Ça me rappelle l'épisode de Grimm. Il y avait un épisode dans la série Grimm, série que j'adore. Regardez Grimm, c'est génial. Il y avait un épisode en fait où il y avait un loup-garou spécial. Il était atteint d'une maladie particulière. Et en fait, il s'enfermait dans le sous-sol de la maison de sa mère et il s'enchaînait. Et ça me rappelle ça tout simplement. Oui. Attends, j'arrive. Attends. Hein? Je n'ai rien laissé. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je n'ai jamais ouvert. Deux petites secondes parce que je vais peut-être vivre un film d'horreur parce que j'ai peut-être une entrée par effraction. Je regarde un truc. Deux petites secondes. Elle est où mon épée?
ne sais pas. Je garde l'épée sous la main. Je sais pas. Mon père, il vérifie. Toi, tu restes là avec moi. Là où il y a un problème. Ah putain. Au pire, moi, à la maison, si on me demande, j'ai un alibi. J'étais en live. Ah oui, bah du coup, bonne nuit. Bah du coup, nous, on va s'arrêter là. Petit coup de fil. On va s'arrêter là. On reprend demain. Passez une bonne soirée.